chauffe, chérie. Chauffe, chérie. Docteur, pourriez-vous nous aider à comprendre ce phénomène? Eh bien, il nous faut pour cela analyser cette force incontestable qui s'impose dès la première écoute à nos esprits logiciens. Cette force dont la formule relève plus de cette entité psychique qu'est la recherche de l'efficace esthétique que de sa correspondance harmonique. Seconde chose remarquable est son pouvoir d'agglomération de textures sensitives, suivant un ensemble de schémas progressifs où l'application d'une logique extériorisatrice se traduit par une sophistication hypertrophiée des éléments moteurs. L'égocentrisme des couches sonores, nous pourrions avoir tendance à y voir les symptômes d'un état schizoïde élémentaire. Or, la résultante des quelques expériences tentées sur des sujets au coefficient émotionnel légèrement supérieur à la limite admise de réceptivité intellectuelle nous montre une incroyable extrapolation de la jouissance psychique vers une acceptation sensitive qui pourra se développer sur les sujets traités jusqu'à une certaine forme de dépendance connu sous le nom de musicomanie.